et bienvenue à Dakar. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne reconnaissent plus la capitale sénégalaise, tant son environnement naturel s'est métamorphosé. Lorsque l'on parle d'un Sénégal vert, il serait effectivement plus juste de traiter l'ensemble du territoire. Mais Dakar reste la capitale et la vitrine du pays. Madame de Maire de la ville de Dakar, monsieur le conseiller économique de l'ambassade de France au Sénégal, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. L'objet de notre rencontre de cet après-midi est un documentaire produit par monsieur Mamadou Sakho, intitulé « Sénégal vert, horizon 2035 ». On va d'abord passer au discours de Madame le Maire qui va nous dire un petit bonjour. Merci beaucoup et bravo aux champions. Je veux simplement vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici avec vous. Vous savez, Dakar ville propre, ça me tient à cœur. C'est mon programme, c'est le premier mot que j'ai prononcé quand j'ai été élue maire de Dakar. Je ne veux pas être long parce que moi j'ai hâte de voir ce documentaire et ensemble nous pourrons ensuite discuter. Merci d'être là avec nous. La ville est toujours à mon côté. Bonjour et bienvenue à Dakar. Horizon 2035. Est-ce que c'est vert à cause des blancs, à cause d'une peinture ou à cause d'une direction qui va nous mener vers 2035? Environnement, c'est mon laïla. Environnement, c'est mon laïla. Alors, aujourd'hui, j'ai fait des certifications en énergie solaire et en satellite. Nous avons signé une convention de partenariat avec le port, la RSE du port. La RSE est morte et c'est la CRSE qui va, c'est-à-dire la co-responsabilité sociale et environnementale. Ces déchets plastiques-là, c'était les industriels, c'était des entreprises agroalimentaires qui déversaient leurs déchets plastiques. Nous avons quasiment l'ensemble des ONG présentes. Il faut savoir qu'on va décupler la production de déchets plastiques. Donc il faut penser à des options de valorisation. Thank you.